Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ocrad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Mini Ninja ou Lala. Alors on s'était quitté ici la dernière fois, ça fait un petit moment que j'ai pas joué en plus. Alors ça va me faire tout drôle au début. Alors hop, le temps que je reprenne. Oui, bonjour monsieur. Oh Ninja, tu te trouves en territoire bien dangereux. De nombreux lampions flottent sur la rivière en provenance du village à l'est. C'est un signal de détresse. Alors prends garde. Suis ce chemin à droite et tu arriveras aux portes d'un temple. Peut-être y trouveras-tu de l'aide. Ok. Alors là, il y a une petite plante. Hop là. Oh, il y a du monde. Pop. Peut-être qu'on devrait utiliser un copain. Non, pas lui. Hop. Voilà. Et viser les mecs là-bas. Où le monde? Raté. Alors, est-ce qu'ils m'ont vu? Mystère. Ouais. Je pense qu'ils m'ont vu. Ouais. Bon, allez, c'est parti. Ouais, hop, on va prendre le gros. Non, le gros, j'ai dit. Allez. Hop. Boum. Allez, c'est parti, on cartonne. Voilà. Moi, j'ai rien à perdre, je suis un déglingueux. Wow. C'est chaud. Allez, hop. Quoi? Ouais, c'est quoi ce délire? Wow. J'ai attiré tout le camp, je crois. Oh, c'est le bordel. On va se couvrir quand même. Hop, sortez couvert. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Premier fail. Bon, pas vraiment un fail puisqu'on n'est pas mort, mais quand même un petit peu le bordel. Hein. Donc on va réutiliser l'autre. Hiro. Tiens d'ailleurs, je sais pas si. Pour ceux d'entre vous qui ont un iPhone ou un iPod Touch ou quoi que ce soit de ce genre, il y a un genre de jeu, par exemple, comment vous dire. Ah, en même temps, je me concentre. Attendez, je termine ça et après je vous explique. Voyez le Jetpack Joyride, donc vous devez connaître ce jeu. Il y a un jeu du même style avec les mini ninjas. Alors j'ai trouvé bêtement, en tapant mini ninja, je me suis dit tiens, on va regarder s'ils ont osé. Et ils ont osé. Et c'est un bon petit jeu assez sympathique qui passe le temps si vous prenez les transports en commun par exemple. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça. Tapez mini ninja et vous trouverez un petit jeu du style Jetpack Joyride, mais avec la licence mini ninja. Alors il y a des petits trucs sympas, des costumes à acheter avec l'argent du jeu que vous récoltez dans le jeu. Je préfère le dire avant. Avant qu'on me dise, oui, j'ai encore un truc où on paye pour avoir des trucs. Non, là, bon, il y a des trucs payants, mais qui ne sont pas vraiment pas nécessaires. Et vous avez, par exemple, le costume d'Hitman pour Hiro. Alors, c'est super sympa, on peut mettre chauve et tout ça. Moi, ça m'a bien fait rire. Alors, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Détecteur d'hôtel, voilà, c'est ça que je voulais faire. Yashiro Shinabe no Jutsu. Allez, guidez-moi. Ah bah c'est ici, je crois. On va aller voir là-haut. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je réutilise la fonction du son qui se baisse automatiquement sur le Elgato. Donc on va voir. Espérons qu'il ne me fasse pas faux bon. Parce que la dernière fois, j'avais enregistré 50... qu'est-ce que je raconte? Ouais, 50 minutes de vidéo de BioShock. Mais pour sélectionner des petits morceaux comme ça pour mon test, pour illustrer mon test. Et il n'a rien enregistré du tout, ce salaud de Elgato. Ah, j'étais en colère. Je vous laisse imaginer un petit peu ma frustration. Hop là, on va récupérer des pommes. Ah oui, j'étais très frustré. Franchement, ça m'a agacé au plus haut point. J'avais même mis en vente le Elgato. Puis après, au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'ai dit non. Pas pour si peu, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais très en colère. Tiens, mes frères Tengu m'ont prévenu que tu me rendrais visite. Mais que puis-je faire pour toi? Oh, d'accord. Ouais, bon voyage. Nous, les Tengu, suivons tous ta quête avec le plus grand intérêt. C'est quelque part ici, hein, mais où exactement? On va aller voir là-bas derrière.
Peut-être. Non. À l'intérieur? C'est possible? Non. J'entends le truc qui brille, hein, mais... J'entends le truc qui brille, c'est pas mal. Mais c'est vrai, on entend le truc qui scintille, en fait, et... Je vois vraiment pas où c'est. J'essaie de trouver quand même, mais bon. À mon avis, c'est foiré. Ouais, bon. C'est pas là-dedans que je vais le trouver. Alors, je sais même plus comment on court, dites-vous. Ah, bah voilà, c'est rond, j'ai trouvé. Ce serait peut-être en bas. Oh, peut-être quand même pas, non? Si? Bon allez, on tente. Bon. Déjà, on n'est pas mort. Déjà, on n'est pas mort. C'est plutôt pas mal. Par contre, on n'entend plus le truc scintiller, donc... C'est que je me suis foiré. Ah, là, il y a un truc, par contre. Ouais, par contre, pour monter là, on va passer sur le côté. Ouais. Ouais, beau gosse, ouais. Alors, hop. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit Eddie Murphy ou un truc comme ça. Donc, peut-être que ça viendra dans cet épisode, ou pas. Ce sera selon mon humeur. Alors, où est-ce, par où je dois aller, là? Par là, ok. Ah oui, d'accord. Oh oui. Ok, d'accord. Ceci est totalement la merde. On va changer de perso. Non, tu vas sur le rocher et puis t'arrêtes de rebondir là parce que ça commence à être un petit peu agaçant. Hop. Voilà. Hop. Là, ils m'ont même pas vu. On va prendre Shun. Et on va faire des headshots. Putain, c'est super sensible. Headshot. Headshot. Ah, lui, il m'a vu, par contre. Combat de snipe. Alors, qui est-ce qui a un problème? Vous deux, là? Merde. J'ai rien dit. J'ai rien dit, monsieur. Ah, voilà. Si, j'ai dit quelque chose. Il est où, le dernier? Il est là. Boum. Merde. C'est trop sensible, ce bordel. Voilà. Bon, c'est bon, on avance. Bon, ils sont là-bas, donc on est tranquille. C'est parti. On va avancer. Ouh là là. Allez, on monte. Merci. Voilà. Oh, il y en a encore là-bas. Merde. Hop, Shun. Boum. Et le dernier. Yes! Sniper. Impeccable. Alors sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. J'ai reçu mon Radius. Alors, mon Radius, le Blue Radius. Ce truc qui a mis près de 3 mois à arriver chez moi. Oh putain. Merde, ça va être le bordel. Alors attendez, je vais me concentrer. Après, je vous explique. Oula, oulala, oulala. Calme, 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 calme. Oh, le carnage. Oh, dégage toi. Waouh, il y en a combien là? Stop. Oh là 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 là. Quel carnage. Ah, j'ai pas fait dans la finesse. Hein. C'est vrai que je me suis fait repérer assez facilement. Après, on va encore me dire oui, tu joues trop mal au crâne. Comme il y en a un qui a pu me le dire. Mais personnellement, je m'en fous. Moi, si je joue, c'est pour le plaisir. Après, jouer bien, c'est une autre chose.
Le tout, c'est que je prenne du plaisir à jouer, à faire mes vidéos, et que vous preniez du plaisir à regarder mes vidéos. Le reste, je veux dire, voilà, si je joue mal, ben, ça arrivera encore. Ça sera jamais terminé. Je pense que je jouerai jamais comme certains. Alors, il y en a qui jouent très bien. Félicitations à eux, honnêtement. Bim. Alors, lui, je l'avais pas vu. Putain. Oh, carnage, les amis. Boum. C'est incroyable, ça. Bon, c'est bon, là. Je peux parler. Donc oui, on va encore me dire, oui, tu joues mal, tout ça. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. L'important, c'est vraiment de s'amuser en jouant. C'est ça le but principal d'un jeu. C'est pas forcément de jouer comme un pro. Le but principal d'un jeu, c'est également de s'éclater, quoi. Alors après, oui, c'est clair, c'est un plus si on joue mieux. Ça, c'est clair, c'est un plus. Et je suis loin d'être un pro. Je suis très très loin d'être un pro. Le tout, c'est de s'amuser, c'est tout. Allez, hop. Point de passage. Puis, le truc qui est plus dur aussi, c'est de jouer tout en parlant. Honnêtement, c'est un truc de malade. Je vais jouer sans parler. Je vais jouer correctement. Je vais pas dire que je vais jouer bien, ce serait me vanter. Je vais jouer correctement, c'est-à-dire de manière propre. Sans trop me fail, etc. Par contre, dès que je parle en même temps, ça devient du gros n'importe quoi. Je joue vraiment n'importe comment. Alors... Wow, ça va être chaud là. Putain. Hop, désolé du gros mot. On va essayer de contourner. Donc voilà, j'ai pu avoir un commentaire. Je ne dirai pas son nom. De toute façon, je ne m'en rappelle plus tellement il est pas important. Comme quoi, je jouais pas bien, c'est moi qui le fais mal, etc, etc. Et écoutez, moi j'ai envie de te dire, mon bonhomme, si t'aimes pas, t'es pas obligé de regarder, ou la prochaine fois, au lieu de critiquer en me disant, ouais, tu le fais mal, dis-moi comment mieux le faire. C'est plus constructif, et au moins c'est utile à tout le monde. Voilà. Bon, c'est pas un coup de gueule, hein, moi, je suis pas le mec à base de coups de gueule, de toute façon, ça sert à rien. Pour moi, les coups de gueule, c'est un peu inutile, parce que j'ai l'impression de crier tout seul, en fait. Bon, alors là, me voilà dans la merde. Donc ouais, c'est vrai, pour moi, les coups de gueule, ça sert un peu à rien, c'est vraiment le genre de truc où on se sent seul plutôt qu'autre chose. Mais bon. C'est pas grave. Alors. Et de 1. Et de 2. Ça, il bouge pas, c'est cool ça. Bougez pas, hein, les mecs. Restez bien là surtout. Ah, toi, t'es pas mort. T'inquiète pas, ça va venir. Putain. Ah, j'allais dire s'il est pas encore mort là. Voilà. Allez, hop. Waouh, mais il meurt pas celui-là. Ah, ça y est. Il y aurait encore un copain derrière. Putain, c'est super sensible, c'est horrible. Comment voulez-vous avoir de la précision avec quelque chose d'aussi sensible? Alors là, je pense qu'il y en a aussi. Mais arrête de te déplacer! Putain de sensibilité! Ah, et de là. Mais je veux pas tuer lui, moi. Quoi? C'est quoi ce truc là? Ah ouais, je lui ai renvoyé en fait. Ok, cool.
Mais c'est bien, ils se déplacent pas, c'est cool. Franchement. Hop. Voilà. Encore un de moins. Bon, renvoie-moi ta flûte, là. Qu'on rigole un petit peu. Putain, j'avais pas vu le petit, là. Eh bah ouais, bah maintenant ça va le faire. Ah oui. Merde, faut que je secoue la manette. Ok. Putain. Saleté. Ah merde. Salaud. Merde, c'était dans quel sens? Je sais plus maintenant. Ouais. Par là. Ah le salaud, il m'a eu. Oui, oui, je sais, oh, c'est chiant. Quoi, tout... ils sont tous revenus? Oh non, purée. Bougez pas, hein, les mecs. Je finis ça. Je finis de vous achever, après c'est bon. Hop. Voilà. Bon. Pas vrai ça. Attendez. Frappe l'orbe d'énergie du moine malveillant pour lui renvoyer. Bah oui, d'accord. Allez, casse-toi. Bon, on va essayer de l'achever le salaud là. Allez, allez, viens là, viens, tu m'as fait mourir tout à l'heure, salaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hein? Ah ouais, bah j'aurais su ça avant. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, hop, hop, dégage. Non. Oh purée. Putain, c'est chaud patate là. Regardez ce qui me reste comme vie. Ouf. Ouais, on va prendre Shun. On va essayer de les sniper à distance là parce que ça va être chaud. Je vous le cache pas. Hop. Merde. Voilà, et de l'un. Voilà. Merde. Voilà. Il y en a plus, j'espère. Je veux de la vie. Bon, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir.
Bon. Ah bah oui, je suis bête, j'ai des potions. Putain, j'ai complètement zappé. Vous voyez, on joue pas pendant une petite semaine et ça y est, on oublie tout. Allez, hop. Alors, hop. C'est dans Select, je crois, ouais. Ouais. Voilà. J'ai de la vie. Bon. Les pouvoirs. Ouais. Non, forme spirituelle G. Détection d'hôtel, voilà. Bon. On continue. Alors, c'est par où? C'est par là. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre ce let's play. Ça fait plaisir. Hop là. Et voilà. Et c'est la fin du niveau. Et ça fait 20 minutes. Elle est pas belle la vie? Oh si. Oh c'est beau. Niveau suivant. Continuez. Eh bien écoutez, on va faire niveau suivant. On va regarder le petit loading. Le temps pour moi de vous dire... Oula, cimetière. Le temps pour moi de vous dire au revoir. Tranquillement. Sans se presser, voilà, avec la petite barre qui avance. Allez, mon grand. Voilà. Et voilà, on va se quitter ici, traverse la forêt et trouve le village, blablabla. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout, ça c'est bien aussi. Ah, peut-être si je fais ça. Et voilà, et trouve le village de la grande carpe. Eh bien écoutez, c'est tout pour cet épisode. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Ocrad, et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao.